Bienvenue sur cette chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer donc 8 idées de menu pour la semaine prochaine. Cette fois-ci, j'ai pris les recettes sur le blog Rose Citron. Quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé que la fille, elle avait l'air vraiment sympa et puis j'aimais beaucoup le concept de son blog qui était de mêler cuisine et voyage. D'ailleurs, si vous flânez un petit peu sur son site, vous allez voir que ça se retrouve vraiment dans ses recettes. Elle a beaucoup revisité les choses, on trouve des recettes asiatiques, on retrouve des recettes européennes, enfin on trouve un peu quand même, voilà, c'est très varié ce qu'elle propose et j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous les présenter. J'ai essayé de vous proposer des choses un petit peu différentes, des entrées, des plats, des choses un peu plus copieuses. Il y a une recette qui peut vous surprendre peut-être, c'est la salade de courgettes crues. Alors moi j'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans je crois, et c'est vrai qu'au début ça fait bizarre, mais en fait c'est super bon, avec de la tomate, ou vous allez voir comme elle vous le propose avec une crème de tomate, ouais, c'est pas mal. La seule chose c'est qu'elle elle fait des rondelles dans les courgettes, et c'est vrai que moi j'aime mieux, je trouve que c'est plus agréable en tagliatelle, mais bon après voilà, vous voyez tout ça, je vous laisse de toute manière comme d'habitude tous les liens en description, vous allez retrouver les 8 recettes. Et puis n'hésitez pas à faire un tour sur son blog pour voyager. Ça change un petit peu de l'ordinaire et puis ça fait du bien des fois dans les assiettes aussi de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs. Moi je trouve que c'est hyper enrichissant, puis ça casse un peu la routine, ça fait pas de mal. Voilà, et ben nous on se retrouve vendredi pour un test de tofu. Donc j'ai pris 2 tofu à Carrefour et puis l'idée c'est de vous les présenter, de vous dire un petit peu ce que j'en pense et puis dans quel contexte vous pouvez les cuisiner. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, profitez bien, bon appétit et à vendredi. Bye bye.